Ah, c'est dans deux. Et là, il y a quelques exemplaires pour les amis aussi. Oui. Le chemin de la passion de ne pas s'y rendre. Et ça me suffit. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, on va comme ça, on va. C'est marrant parce que j'étais persuadé que c'était 1887, mon père. 1889, pardon. Là, je vois 87. Vous voyez, c'est important d'avoir l'histoire transmise par ceux qui la connaissent vraiment. Exactement. Si vous laissez d'autres écrire l'histoire, voilà. Partout, ils vont écrire l'histoire des vainqueurs. Partout, on parle de 1889. Non, c'est pas très bien. Ah oui, bon, voilà. C'était 2 ans après la conférence de Berlin. Oui. Ça. Ah. Nous avons l'habitude de faire des bijoux, de chemises en safari, etc. Oui. C'est très bon. Ça, c'est quoi? C'est un tissu ou un tissu? C'est un super tissu. Il fait la vie, là. Au moins, c'est demain. Alors, ça, c'est cool. Vous avez toute la richesse de la RDC. Tout ce que nous avons, tout ce que nous avons comme pierres précieuses sont représentées ou illustrées là-dedans. Là, c'est deux. Ça, elles ont été ces morceaux ont été retirés en RDC. En RDC. En RDC. C'est magnifique. Et je vais montrer ça. Nous avons un compatriote qui travaille dans une des grandes entreprises minières du Katanga. Voilà. Je vais lui montrer cette. Je suis sûr que lui, il n'a pas sur la. Il va vous l'enlever. Je vais lui montrer comme ça. Et ça, si vous avez envie d'écrire quelques mots de vos amis, une amie, sens, une carte postale, une belle carte postale envoyée. C'est une carte que vous avez visité. Oui, absolument. Très important. Il date de quand, ce temps? 1981. 81. Il a été construit pendant 5 ans à la main. À la main, ouais. Tout est construit par les fidèles, à la main. Il n'y avait pas d'échafaudage métallique et tout. Il n'y avait que du bois, il n'y avait que de la main, il n'y avait que de la truelle, il n'y avait que de... Quelle preuve de fidélité et de foi. Ouais. On peut monter en haut de cette tour. Oui, oui. Nous y allons dans quelques minutes après votre invitation avec vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Je ne sais pas si nous sommes Vous voyez que la foi qui est présente au cœur même de l'ambassade de France. Voilà. Vous avez 20 ans qu'il est chauffeur de l'ambassadeur. Ah bon, 20 ans qu'il est chauffeur de l'ambassadeur. Ah bon, 20 ans qu'il est chauffeur de l'ambassadeur. Les commandes avec les bouteilles, Voilà, c'est un annexe. Voilà, ça c'est la photo vraiment, je peux dire, officielle de Copacabana. Mais cette photo avait été prise le moment où nous avons présent. Et la présence à travers de la façon. Les gens pensent que ça c'est son accoutrement pour les restes blancs. C'était la tenue de 14 000. Et comme à l'époque, il était interdit pour photographier, donc on lui a donné cette opportunité de se faire photographier quand il était en prison une seule. Et alors il avait cet uniforme. Et cette photo a été devenue la photo officielle. Sur cette photo qu'on a fait ce C'est du cuivre. C'est du cuivre. C'est fait au Katanga. De brut de malédite, etc. Et vraiment, ces portraits, je suis sûr que vous pouvez les garder.
idole. Vous pouvez le garder au-delà de votre séjour en MLC. Normalement, il revient à l'ambassade. Je ne vais pas susciter la colère de mon successeur. Je ne connais pas encore, d'ailleurs. Voilà.
qu'on a les hymnes nationaux. Après, hymne, tu as dit que tu as dit que tu as dit papa a kolaka pe ko pesa mbote na mopaya ndinga yelaki pe mituka ko pusana bo pusana te s'il vous plaît mokonzi aboule pe mokonzi ngomba nzambe na biso nda ko accompagner papa ya naye akotia bango na mituka pe ko pesa bango mbote ya ko pepa. Je vais vous répondre à vos deux questions en une seule réponse. La température est extrêmement chaude et l'ambiance est extrêmement chaleureuse. C'est un peu la même chose. L'accueil de tous les fidèles et au premier chef l'accueil de son éminence a été extrêmement chaleureux, effectivement. Nous avons été très impressionnés, nous sommes très reconnaissants de la chaleur de cet accueil. Et nous sentons en regardant tous les fidèles, que ce soit ceux de la fanfare ou ceux qui sont derrière, tous les responsables, les conseillers, les personnes présentes sont enthousiastes, sont débordantes d'enthousiasme. Et je trouve que ça reste un élément très important pour nous. C'est effectivement mon premier déplacement à Nkamba. Et je dois dire que j'en parlerai parce que ça vaut la peine d'être vécu. Et je veux dire ma reconnaissance profonde et celle de toute ma délégation pour l'accueil personnel et très personnalisé de son éminence. Point, je crois que l'église Guy Maurice a été revenue en France bien avant 1991. Et en 1991, ce n'était pas le président Giscard d'Estaing, c'était l'un de ses successeurs. C'était, si je ne me trompe, le président Chirac. Je crois que c'était plutôt dans les années 80 que l'Église a été reconnue. J'ai discuté avec des représentants, il y a quelques instants, avec des représentants de l'Église kimbanguiste en France. Cette Église est présente en France. Il y a, je crois, 17 paroisses qui sont pour l'essentiel réparties dans le nord, dans la partie septentrionale de la France, de Angers à Colmar, de Paris à Lille et ailleurs. Et je crois que je ne peux qu'être extrêmement heureux à la fois de la qualité de la relation que ces fidèles kimbanguistes entretiennent avec les Français, avec la France, et la qualité de leur intégration dans le paysage
j'allais dire, laïque et religieux français aujourd'hui. C'est un élément important et je crois que ce message, il est de simplement de continuer à vivre leur foi en paix sur le territoire de la République française. S'il vous plaît, Excellence, vous avez passé presque plus d'une heure avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Qu'est-ce que vous avez échangé avec les pères spirituels ? Alors, je tiens à vous dire tout de suite qu'il ne m'a pas converti encore. Il ne m'a pas converti. C'est quelque chose qui reste à faire, peut-être à l'occasion d'un prochain voyage. Exact. Vous avez un peu de temps.
Africa. Donc, je vais en laisser dans le combat, totalement en appel, je vais faire mon sang. Et en tout cas, Nathalie Corbillon! Amen.